niquer la cuisse. Alors, où est-ce qu'on en était? Si jamais vous n'avez jamais vu Planet Coaster, je vais vous expliquer, vous en faites pas, c'est juste la création d'un parc d'attractions. J'avais fait ça la semaine dernière. La semaine dernière, il s'avère... 2 millions d'euros aussi. Je t'assure, gros, c'est un délire, genre, leur truc. Mais après, le jeu est vraiment poussé, donc je comprends, il y a beaucoup de travail derrière, quoi. Il y en a qui n'ont pas vu le feu d'artifice. Alors, du coup, la semaine dernière, j'avais fait un parc illimité, c'est-à-dire budget illimité et tout, donc c'était cool, mais au bout d'un moment, c'était genre... juste, tu poses tes trucs à l'infini, quoi. Là, on est dans le mode défi. En plus, en moyen, il y a différents niveaux de difficulté. Alors, moyen, bah, c'est moyen. Mais c'est pas facile, puisque c'est moyen. Mais dans le jeu, en plus, c'était genre facile et moyen, tu vois. Mais moyen est difficile. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et du coup, là, pour l'instant, on a bien débuté. Alors, soyez pas déçus, parce qu'on travaille ce parc. Sur la fin, on a commencé, j'ai commencé un peu à... J'ai fait des montagnes, j'ai fait des trucs, et on en est là. Oh, putain. Je suis très heureux de vous le montrer. En gros, le jeu est compliqué. Le jeu est deep. Le jeu est deep. Je me pose direct, hein. Oh, putain, qu'il est beau. 21 avril. Je vous présente le parc. Pour l'instant, bon, c'est vrai que c'est pas une claque visuelle. Je suis d'accord que c'est pas une claque visuelle. Trop moche. Non. Eh hey, attention, hein. Sinon, j'éteins le feu d'artifice. Alors là, déjà, on a créé une petite montagne, une petite colline. Déçu. Mais soyez... La claque. Merci. Merci. Il y en a, je vois, qui aiment l'art. Il y en a qui essayent de s'intéresser un petit peu aux expositions. Voilà. On est aussi dans de l'art abstrait. On est dans des choses, on n'est pas que dans le visuel. On est derrière dans la signification. Hein ? On pense plus loin que le visuel. Et on doit surtout faire une rentabilité. On n'a pas les sous illimités, les gars. Pensez que c'était volontaire de foutre un Planet Coaster. Regarde le reflet de l'eau, frère. Le reflet de l'eau. Là, tu te dis que le mec est allé loin. Van Gogh, on l'a saucé pour moins que ça, hein. Je vous le dis tout de suite, moi. Je vais prendre un peu de multifruits, parce que... Je vous laisse avec le reflet de l'eau, histoire de bien vous... Bien prendre une claque visuelle. Bordel, c'est sublime, merci, merci. C'est très gentil. Alors, du coup, où est-ce qu'on en est? Hein? Je m'endors, moi. Attends, parce que y a un mec qui m'a fait rire. Attends. J'ai trouvé une bête de technique pour pas m'endormir quand je regarde tes lives dans mon lit. Je laisse pendre mon bras avec mon GSM en dehors de mon lit. Comme ça, quand je m'endors, mon GSM tombe et ça me réveille. Putain, mais... J'ai cru que tu le mettais au-dessus de ta gueule, comme ça il tombait sur ta tête. Ça aurait été une meilleure technique, mais bon, c'est vrai qu'il y a plus de risques. Je suis autant ému de voir ça que la démonisation de Genesio. Alors, ce qui se passe, je vais pas vous montrer tout d'un coup. Donc ça, c'est l'entrée du parc. Donc déjà, regardez, le parc est plein. Bien sûr, le parc est plein, il y a de la petite bulle. Déjà, ceux qui n'ont pas vu, enfin, le parc est vert. C'est-à-dire que de base, on est dans un milieu désertique. On a dû mettre de l'eau. On a dû aller chercher de l'eau, on a puisé, c'était des ressources. Pour pouvoir, voilà, mettre de la verdure. Regardez les gens, comment ils sont heureux. Regardez! Du bonheur! Je clique sur un mec random. Lui. Alors. Lui. Lui, cet endroit est génial. Waouh, cet agent est passé en coup de vent. Waouh. Du bonheur. Du bonheur. Tous. Okay. Le parc est encore en construction. Le parc est encore en développement. Ça se passe très mal. Bon. C'est l'avis général le plus important. Parce que pour l'instant, c'est que le début. Il nous manque des choses, on le sait. On le sait qu'il nous manque des choses. Il nous manque peut-être quelques bancs. Il nous manque des choses. Voilà. Il nous manque des choses. Pas question de faire la queue aussi longtemps pour Hyper Jump 2. Mec, nouvelle attraction. Hyper Jump 2. Ça monte très très haut. Ça monte très très haut, comme vous pouvez voir. Vous voulez peut-être... Il y a peut-être des gens qui veulent tester. Bah écoutez, les amis, je vous mets une petite vue. Je vous mets quelque chose de sympathique. Allez. Oh! Et tu remontes et c'est... Oh, c'est fou. Bon, là, c'est la fin de l'attraction. Et ça repart. On pensait que c'était fini. Et... Oh. Et ça repart, mec. Ça, c'est incroyable. Alors, il y a des petits plots. Ils sont pas là pour rien, les petits plots. Entrée pas chère. Pas question de faire la queue. Alors, je pense va falloir commencer à mettre des fast-pass. Oh, putain, regardez ça. C'est sublime.
Va peut-être falloir refaire des entrées, va peut-être falloir faire des fast-pass. C'est the party. Pour l'instant, on a 4 attractions qui sont plutôt pas mal. Niveau budget, parce que c'est hyper important, il y a vraiment un aspect finance dans le jeu. Niveau trésorerie, en mars, on était en positif. On est aussi en positif pour l'instant en avril, même si c'est un peu chaud, mon frère. C'est un peu chaud, je te le cache pas. On a mis des sous, on a investi. Et surtout, je sais pas quand c'est, mais de temps en temps, il y a du feu d'artifice. Et ça, c'est quand même pas rien, ça. C'est sublime. Alors, il a encore un mec en vache. Alors, pour l'instant, donc, notre parc, on a 14 balles l'entrée, 7 balles pour les enfants. Va falloir commencer à faire, je pense... Alors là, ce qu'on disait, justement, vous deviez me rappeler des trucs. Hein. Là, vous me rappelez plus les trucs. Déjà, si je fais environnement, est-ce que si je tape... Attends, parce que... J'ai quand même téléchargé des trucs. J'ai téléchargé, voilà les trucs. Genre, cascade, y'a... Oh, mais tout ça, c'est les DLC. Regardez tous les DLC. Tous les DLC qu'on pourrait avoir si seulement Planet Coaster me répondait. Oh là là. Alors, en fait, on doit faire, donc, un truc... Oh, regardez, non, mais ça, c'est ouf aussi, hein. Regardez un peu. Dans la queue. Non, mais c'est incroyable, hein. Ah bah... Ah, merde. Attendez, excusez-moi, madame. Bah... Vraiment désolé, madame. Depuis le début, en fait, c'est sur sa gueule, en fait. Alors, il y a des vols. Métabolisme lent. Ah, bah aussi, mon pote, il y a un moment où... Qu'est-ce qu'il a, lui? Se dirige vers Teacup. Lui, il a carrément couru pour entrer dans le parc. Hein. Honnêtement, on a une bonne moyenne de visiteurs. Ça fait plusieurs ça fait honnêtement plaisir. On avait des recherches. Alors, les recherches, c'est important. Parce que c'est ce qui te permet... c'est où, les recherches? C'est dans boutique. Oh non, c'est en panne. Wild Blue est en panne. Oh, Wild Blue, ça commence à être tout le temps en panne. Wild Blue, on est déjà en négatif. Mécanicien en route. Oh non, c'est tellement décevant le truc en panne. Il y a des gens dessus quand c'est en panne. Non, ça va. Les gens sont pas en passe. Gestion, recherche. Ah oui, recherche, c'est là. Alors, on a enfin la petite... comment on appelle ça? Un magasin de souvenirs. Tout simplement, magasin de souvenirs et petite attraction, on a développé... La petite attraction, tu sais, où les pigeons, là, font les trucs. Genre les... oh, j'ai gagné une peluche. Bon, on a ça, là. Hop, je le mets juste en face. Il y a des bancs, hein, juste, ils n'utilisent pas forcément les bancs, les gens. Alors, attendez, attendez. On va donc mettre une petite... un petit truc de souvenirs. Les souvenirs. Boutique de souvenirs. J'en avais pas à l'époque, déjà. Pas du souvenir, ça. Souvenir. That's fantastic. On peut se mettre une petite boutique comme ça. Hein. Avec un employé. Je pense que c'est pas mal, là. On se fout ça, là? À l'entrée du parc? Et ça, je le déplace juste là. Comme ça, les gens peuvent s'asseoir. C'est laid. Il y a le banc devant. Je sais pas s'il est. Regarde, regarde, regarde. Oh là, ils sont pas passés loin. Ils ont du hot dog. Hein. J'ai besoin de boire quelque chose. Mais c'est juste là, gros, la boisson. Ça en est où, là? Ça, ça fait du bif. Hein. Ça, ça fait du bif aussi. On a 100 balles de BNF à chaque fois. Ça court vers la boutique. Ça achète, ça achète. Oh, du yankle. J'ai étanché ma soif. C'est bon, ça achète. Alors ça, 600 balles par mois, ça nous coûte. Hein. C'est dommage de tout condenser au même endroit. C'est pas faux, ce que tu dis. Peut-être ici? Peut-être ici, la boutique de souvenirs? Ici, ça serait bien. C'est bon, ça a fait l'objet de réparation, on peut réouvrir, on est bien. 536 personnes, on a 400 étoiles, il nous faut du vert, il nous faut du vert. La boutique de souvenirs, vous avez raison, je vais la déplacer. Parce que là, on condense, c'est limite un peu, tu vois. T'as vu, quoi. Là, ici, c'est bien. Tu peux en mettre deux. Non, non, faut pas surcharger. On m'a expliqué, moi, faut pas surcharger. Et je pense que ici, je vais mettre une allée justement qui va aller avec d'autres trucs. Là, le souci, c'est que j'ai mal fait mes allées parce qu'on pourra pas mettre de fast-pass. Tu vois? Là, le fast-pass, t'es pas forcément fou. Et du coup, je vais remettre le banc. Oh, on est bien. Là, on est bien. Va bientôt nous falloir une nouvelle attraction. 2600 balles, les finances, nouvel objet disponible. Marque commerciale. Oh non, 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 c'est bon, on veut pas ça, non. On veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut en vrai? C'est quoi les besoins? Mais les gens sont... En fait, les gens sont juste pas...
Ils sont pas insatisfaits en fait. Mon vrai souci, c'est que les gens sont trop contents. Ah, la soif quand même. Il y a beaucoup de trucs de soif. Trop de visiteurs tentent d'utiliser le Hot Dog Squad 2. Ah ouais, ça fait de la... ça fait des sous ça. Oh, ça fait 400 balles, putain, on fait full beef! Full beef, un autre distrib. Je pense un autre distrib. Il faut le point, on a un point info aussi. Oh, ça commence à s'accélérer. Oh, ça y est, ça s'accélère. Information. Un petit point info, un petit point info début entrée de parc, entrée de parc, entrée de parc. Qu'est-ce que c'est là ça? Ça c'est vraiment chum. Hein. Tous ces trucs là, c'est quand même vraiment très très chumasse. Hein. T'as pas envie de... Là, t'es dans le passage, t'as pas envie de faire ça. Après, les gens s'assoient que dans le passage. C'est sûr que... Voilà, je te mets la fleur là. Oh putain. Je viens d'avoir un DM, mais c'est pas le bon. Quand même un DM intéressant, mais c'est pas le bon. C'est pas eux qui m'ont répondu. En vrai, faut des allées plus grandes. Faut pas des allées plus grandes. Ça serait cool que t'agrandisses l'allée principale. Oh mais en fait le truc c'est que ça va tout changer. Les gens viennent au point d'info? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont tristes. J'ai pas besoin d'un passe prioritaire, faire la queue ça ne me dérange pas. C'est bien qu'ils fassent pas payer ça. Eh non mais incroyable là. On a besoin de plus de distributeurs. Ça fait... Merde, c'est sale comble! Sale comble! Tout le monde achète! Tous les distributeurs sont en positif. Peut-être ici, créer un peu plus d'engouement de ce côté là. Là on sent qu'il manque quelque chose ici. Là, il y a les chiottes magnifiques. Peut-être là, même. Ça bouchonne, sinon. C'est vrai que ça bouchonne un peu, là. Il y a du voleur, là. J'ai pas pu faire la queue, j'ai envie de m'amuser, pas de faire des emplettes. Ah gros, il y a un moment, on va te faire foutre aussi, quoi. Je sais pas quoi te dire, quoi. Ça, c'est vraiment hein, une attraction de merde. Et on perd des sous. Après, c'est parce qu'aussi, on n'a pas mis trop d'environnement, là. Il faut que ça soit plus beau. Il faut que je design mieux. Ça, c'est mon souci aussi. Hein. Parce que si on design mieux, le truc va être beaucoup plus beau. Et du coup, forcément, derrière, on va aussi prendre en qualité. Est-ce que manifeste son mécontentement? Attendez, pause. Ce boulot est sous-payé. Tiens. Je suis cool quand même. Hein. Ce boulot est sous-payé. Je suis quand même cool, gros. Hein. Sinon, il y en a que j'ai renvoyé pour moins que ça. Hein. Je vais mettre des bégonias un peu partout. En fait, si je les entasse, ça peut faire genre gros buisson. Oh, les bégonias là. Là, on change. Non, c'est trop gros, ça. Trop gros, ça. C'est chum, ça. Tout est moche. On a des rappels de jaune. C'est un peu trop floral. C'est pas grave, on prend des points. Regarde, 45%. Tu vois? Il leur faut juste un peu de... Il leur faut juste des plantes dans l'attraction. Oh la vache, le chêne... Ah ouais, mais le chêne, il est... Le chêne, c'est limite trop, quoi. Conifère nain. Ils vont se perdre. Moche les bégonias. Moi j'aime bien les bégonias. Mais honnêtement, en petits arbres. Bois de fer gros, ça c'est horrible tu vois. Y a pas tant de trucs beaux que ça. Hein. En fait c'est ça le truc aussi, c'est qu'il y a pas beaucoup de petites beautés quoi. T'as mis l'arbre devant le pirate. C'est vrai que les gens le voient plus du coup. Ah, pas de soucis, je te le mets là du coup. Comme ça, ça fait un peu d'ombre aussi. Et là on est à combien de pourcentage d'environnement? 45%. Honnêtement, plus... Il faut aussi des petites... des bulles. On va mettre des bulles. Les bulles, les gens aimaient bien les bulles. Des petites bulles. C'est où les bulles? Fumée, laser, confetti, jet d'huile, tir de laser, scintillement. Bulles. Des petites bulles, là. C'est méticuleux, hein. Comme vous pouvez voir, vraiment... Eh. Bah, les gens reviennent, hein, j'ai l'impression. Les gens reviennent fort. Hein.
Là, pour l'instant, en fait, j'ai pas de passe prioritaire. Le passe prioritaire, il est à 10 balles. Mais le truc, c'est qu'il n'y a aucune attraction qui est horrible. C'est une honte. Mais mec, c'est trop cool. Regarde. Bon, c'est vrai que tu peux peut-être mourir. Tu vois. Tu peux peut-être mourir de... Putain. Non, les gens viennent. Hein. Gros, les gens reviennent. Pas ouf, les bulles. Quand tu mets un truc, évite d'en mettre 10. C'est vrai que j'ai un peu cassé la dynamique. Moins, vous pensez? J'en mets que 2? Ouais, c'est peut-être bien comme ça. C'est vrai, vous avez raison. Mais du coup, je veux les déplacer quand même là. Là, c'est mieux peut-être. Là, c'est sympa et c'est un peu plus léger. On aime bien là? Il faut cacher les bulles avec des fleurs. Et c'est du coup des fleurs qui font des bulles. Des bégonias. Ils sont où les bégonias? Il l'a dit, la déco, c'est pas son fort. Ah, la déco, disons que j'ai un sens... un peu de bagage, là. Magnifique. Bandit armé en colère. Oh là, personne veut ça. Baquet, baril d'essence. Mais personne aime ce genre de choses. Nature, pas en nature. T'as acheté des DLC, m'en parle pas, c'est un sujet tabou encore. Pas facile, hein. Alors que des petites bégonias, là. Glisse-toi, toi. Je vais le foutre, hein. C'est des bégonias qui font des bulles. Les gens sont hyper contents. Hein. 71%. J'ai combien de notes? J'ai 15 en notes d'environnement. En fait, il faut tous que ça soit bien. Environnement. 27%. On n'a pas assez dans... C'est ça, le souci. Là, je pense qu'on est bien, par contre. Ici, on est bien, là. 69%. Magnifique. Celui-là... 52%. C'est juste ça qui manque. Il me manque des plantes. Mage pour enfoncer les objets dans le sol. Putain, bien vu ça. Regarde, ça marche bien. L'attraction Boomboat n'est plus considérée comme une nouveauté. Les visiteurs ne sont pas prêts à payer un surcoût. Pas de soucis, je te la baisse un peu à 8. Par contre, il y a un moment où le parc va falloir qu'on le monétise. 4000 balles, hein. On commence. Certains employés ne trouvent pas d'endroit où faire des pauses. Ça, c'est vrai que c'était un souci, ça. Ça, c'est vrai que c'était un vrai problème. Mais je pense qu'en vrai, je vais mettre en pause. Si je fais un bâtiment un peu plus gros que celui-là, genre je le mets, tu vois, genre comme ça, que là je fais une petite allée. Ah, d'accord, je vois qu'on est là pour me bloquer apparemment. On est là pour bloquer mes plans machiavéliques. Eh ben gros, bah frère, enfin... S'il te plaît, quand même. J'aimerais bien quand même pouvoir gérer un minimum mon attraction. Là, je te déplace. Pas de soucis, je te déplace là, du coup. Et là, je repars en allée. Magnifique. Et là, ça va être... Là, c'est pour les employés, là. Un petit bâtiment des employés. Employés. Ah merde, c'est dans boutique, je crois. La boutique est vide depuis un moment. Ça y est, ça commence, là. La rébellion commence, va falloir tenir le coup. Hein. Alors que tout le monde soit à son poste. Hein. Sinon, hôtel, gestion des employés. Un truc un peu plus gros, peut-être. Voilà, un petit... Je vais pas rêver, quand même. Hein. C'est quoi, ça? Chapeau. Boutique de chapeau. Mais non, moi, je veux un truc des employés, les gars. Caserne de pompiers, bâtiment des employés. Voilà, un truc à 400 balles. Magnifique. On rêvait pas mieux. On rêvait pas mieux, là. C'est horrible ce que j'ai fait, mais c'est... On est obligé de les foutre quelque part, ces bâtiments. C'est pas si mal, hein. En vrai, c'est pas si mal. Bon, ça, ça a permis de retrouver un petit peu de gens. C'est dégueu. Mais on n'a pas le choix. C'est bien ça, le souci. Ça casse le décor. Ah ouais, mais on n'a pas le choix. Foulé à l'entrée. On n'a pas le choix, les gars. Y a pas de lien avec le parc. Ah, j'ai cru qu'il y avait un mort. C'est bon, tout va bien. Bah, le truc, c'est que j'ai pas trop le choix. Aucun rapport avec le thème du parc. C'est Disneyland, là, ou quoi, frère? Le thème du parc, c'est que c'est vert et que je mets des bégonias. Mets de la déco aquatique pour Boomboat. Non, mais là, en fait, on a le choix entre ces trois trucs. On a le choix entre
Concrètement, que je vous explique. C'est quoi le thème de ton parc, PASTP? Un beau parc. Un parc où on aime être heureux. C'est bien déjà. C'est vrai que parc Astérix, c'est Astérix. Ah, genre Nigoland. C'est quoi le thème de Nigoland? Frère, je suis mieux que Nigoland. Hein. Je te le dis, hein, Nigoland à côté. Je sais pas dans quoi je suis là, c'est bon. Je peux foutre un truc Caraïbe, quoi. Caraïbe, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Niglo. Oh là. Il y a des actionnaires de Nigloland, là? Nigo. Bah, je sais pas, frère, j'y suis jamais allé. Hein. C'est l'hérisson, le terme. Mais, c'est vrai que ça va mieux avec les palmiers. Mais tu vois, on n'a pas beaucoup de choix, quand même. Juste que ça coûte plus... Ouais, ça coûte pas si cher, que j'avoue, j'ai un peu menti. Tu vois, ça, c'est moche, ça. Mais en vrai, tu les vois pas, hein. En vrai, tu ne les vois juste pas. Et ils sont contents. Allez, c'est très bien. Juste aère un peu, il y a tout au même endroit. Mais après, on me dit que c'est trop loin. Là, je vais faire le camp des employés, là, ici. Là, ça va être les employés. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? De quoi est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qui nous va pas? On refait un petit tour dans gestion du parc. Eh, c'est mon parc, hein. Mon parc, il fait 1 200 $ de bénéfices en mai. Alors, on respecte. Ça serait bien. Alors, où est-ce qu'il y a des gens qui bossent pas, là? Là, on a clairement peut-être besoin... Eh, 2 200. Grosse évolution. On est bientôt à 20! À 20 en environnement, on va prendre un défi. On va faire un défi. Je pense que en prendre un employé, de la lumière la nuit, c'est pas mal. C'est pas con. Un SMIC de bénéfice sur tout un parc. Eh, c'est beaucoup quand t'as démarré avec 2 SMIC de base pour faire tout ça. On est parti de rien, mon pote. Hein. Toi, t'étais pas là quand on est parti, mais... Au tout début, on n'était pas... Non, mais c'est incroyable, la réussite. Et là, on peut gérer le prix des hot-dogs. Mais c'est fou! 800 balles, gros, je fais 800 balles! Bon, ça, personne n'a pris les passes prioritaires, parce que pour l'instant, il n'y a pas de passes prioritaires, mais c'est pas grave. Ça, 200 balles. Il nous manque juste la bouffe, là. Faut juste voir dans les besoins, c'est où les besoins? Le temps pour hyper jump est hyper long. On va se faire une file d'attente. Wariazar, merci pour la prime. Graphique. On se fait une petite pause, on se fait une petite pause graphique. Moi, j'aime bien les stats. Note de l'attraction, magnifique. C'est quoi, pourquoi c'est zéro, ça? Bonus marketing, c'est nul. Note du parc. La note du parc. Enfin, juste, quoi. Si vous voulez juste prendre une claque, quoi. Prix des tickets. Heure d'ouverture et de fermeture. Ah, c'est vrai qu'on a tout ça, là. Il y a du bon et du moins bon dans ce parc, bilan mitigé. J'ai passé une journée horrible, un pickpocket m'a volé. Quelle journée horrible, j'ai bien l'intention de me faire rembourser. C'est très léger. Hein. Pour l'instant, les gens sont quand même contents. Je pense qu'il faut qu'on monte à 20 d'environnement, comme ça on aura un peu de sous. Et ensuite, mais il n'y a pas les besoins de bouffe. Ouais, tu vois, la soif. Hein. Dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup la soif. Hein. La soif pour les ados, quoi. C'est-à-dire que les familiaux ont besoin moyen des visiteurs. La soif, hein. Je pense qu'il faut rajouter un petit truc de soif. On va faire des recherches en soif. Qu'est-ce qu'on a comme recherche en soif? Gulpi. Ça part sur Gulpi. Et sur Tishiki Shiki. Boisson haute que milkshake. Ah, mais je sais pas si... Et là, bientôt, on va mettre une nouvelle attraction. Parce qu'on a les sous. Et la nouvelle attraction, on va la penser pour le fast-pass. Mais là, il me faut juste 20 en notes. Donc, c'est... J'ai téléchargé des trucs. Je sais pas où c'est. J'ai téléchargé des trucs sur le workshop, mais je sais pas où c'est. Si vous savez, je veux bien que vous me dites. Cascade. Oh! Oh! Oh, quelle délice. Oh, c'est... Elle est si grande. Oh, oh, elle est si belle. Ici, hein. Début du parc, grosse cascade. Elle est grosse quand même. Hein. La cascade fait la moitié du parc, quoi. C'est vrai que... Faut être amateur de cascade, quoi. Mais plus loin. Je pense qu'on la mettra au fond, genre ici, tu vois. Eh. Là. Ici, en vrai. Ici. Magnifique. Là, magnifique. Ici, juste magnifique. Et là, derrière, je fais
C'est tous les deux jours que ça explose. Ah, il y a des feux d'artifice, les gars. Bon, on a mis ça récemment. Bon, oui, on a fait... Oui, on a fait appel à un ami de la famille qui a fait poser ça. Bon, bon, c'est quelque chose de... Hollywood l'a pas. Non, Hollywood ne l'a pas, Hollywood ne l'a pas. Bien sûr. On est les premiers en Europe. Juste derrière Nigloland. Si je mets plus de verdure au décor près des attractions, elles marcheront mieux. Ouais, ouais, je sais, mais... Un petit karting des familles, j'ai pas encore débloqué. Bon, la cascade, on va se la laisser parce que c'est quand même 2000 balles. Je pense que c'est pas l'objectif. Je pense que là, déjà, l'objectif, c'est bombarder de verdure. Oh, mais le bateau échoué, frère, il donne pas envie, quoi. Attaque au Kraken. Non, non, bon, on va... Un blux... Mais tu vois, les arbres... Oh ouais, mais on a que des trésors à chaque fois. C'est vrai qu'il faut un thème. C'est quoi le thème de ça, là? C'est l'espace. Il faut un avion. Ah oh non, c'est pas ce thème-là, là. Un truc un peu autre. Oh, le forceur. En vrai, c'est bien mieux ça que ce que j'ai fait. Hein. En vrai, si je remplace ça, là, par ça, c'est bien mieux, non? Parce que c'est un peu dégueu, là, ce que... Oh, juste là, là. Juste là, un petit truc, là. Allez, déco de l'environnement, là. On en est où, là? 100%! 100% gros! Mais laisse le cours d'eau. Ouais, mais je peux laisser le cours d'eau. Attendez, attendez, parce que je détruis ça. Je sors la... On va forer tout ça, là. Lisser. Je lisse. Allez, on va forer tout ça, les gars. Oh, c'est magnifique, ça. Quel enfer. De quel enfer, je suis à 100%. Faudrait pas tomber dans de la jalousie, hein. Ah, je sais que c'est difficile de résister à... À ses envies de... Comment j'aplanis? Aplanis jusqu'au... Oh, des feux d'artifice. Mais non, je... Ah, jusqu'à la surface. Mais... je comprends pas. C'est pas très clair. C'est bon. Là, on est bon. Allez, là. Ah, j'ai sorti le tractopelle. Allez, 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 allez. On se met à zéro, là. Et comment on lisse? Je lisse. Là, je veux lisser, là, sur cette... voilà, là, on lisse. Là, c'est bien lisse, là. Là, on est bien lisse, là. Là, j'élève un tout petit peu. Bam, bam. Et là, je pose la masterpiece. C'est où? C'est là. La masterpiece. Celle qui nous ramènera tous les visiteurs. Ah, on sent que c'est pas droit, là. Par du plat. Ah, mais on s'en fout, ils verront pas derrière. Comment j'aplanis? Je suis en galère. Aplanis jusqu'à la surface. Mais ouais, je veux juste... Mais tu vois, ça, je comprends pas pourquoi la surface. Intensité. Parce que j'avais touché à ces trucs-là aussi. Genre, je veux juste que ça soit au sol. C'est raboté? Peut-être raboté. C'est hyper dur de faire pour lisser de plus bas par du sol niveau 0. Ça déjà, parce que hier, j'ai découvert ces fonctionnalités. Mettre ta souris sur du plat. Ouais, tu vois, ça, c'est pas clair, ça. Attends, ça démissionne. Oh, pourquoi il a démissionné? Oh non. Du coup, j'ai plus d'employés qui font ça, là? Qui sont mécaniciens? Est-ce qu'il y en a qui foutraient un élevé, se promène? Il me faudrait peut-être un deuxième mec de... On va embaucher un peu de personnel. Un deuxième mec de la propreté. Et à côté, un mécanicien. Comme ça, on a un parc beau. C'est super logique, pourtant. Non, mais ça fait pas ce que j'aimerais que ça fasse. Tu vois, genre là, par exemple, ici, ça monte, et ici, ça baisse. On lui avait payé une formation. C'est vrai, hein? Part du plat, altitude 0 et aplani. Ah, parce que là, ils ont carrément foutu de l'eau, là. Bon, on fait à la zub. C'est pas grave, hein, c'est aussi ça, c'est des surfaces... C'est bien, là, en vrai. Un peu à la zub, mais bon... Bon, il y a une petite bosse.
Il est trop con. Attendez, excusez-moi, mais... Je vais devoir vous... renvoyer de mon parc, vous. Merde. J'ai quitté la le truc. Ça, c'est technique, hein. Reste appuyé sur le sol, 0, 0. Ensuite, reste appuyé en passant sous la colline. Ah, genre en passant de... à planir sur la surface, genre je pars de là. Il y a... c'est jamais vraiment sol-sol, tu vois. Mais là, c'est bien, je veux que ça soit surélevé, hein. Je veux que ça soit un peu surélevé, moi. Donc, c'est juste logique, mais bon, trois petits points. Merde, la communauté Planet Coaster est de retour. Putain, fuck. Je pensais qu'on les avait esquivés. Même pas, je vais pouvoir gratter les DLC. Je me tape le gars qui est sur son parc Harry Potter depuis ses 12 ans, quoi. Enfoiré, va. Fait moins de rentabilité que moi. On a le seum, hein. Qu'un parc dégueulasse te baise. Faut dire les choses. Et je pense que c'est ça, et je pense que j'ai mis le doigt sur quelque chose ici. Moi, je fais mon truc. Vous venez pas. C'est votre merde. Moi, j'ai des gens qui sont très contents de venir dans mon parc. Voilà. Non, vous êtes pas là à dire à Disney, oh, la tour de la terreur, je l'aurais mis beaucoup plus à gauche, gros. Moi, je te fous ça comme as, là. Voilà, petit parterre de fleurs, c'est même mieux comme ça. C'est même mieux, beaucoup plus naturel. Boum. Boum. Incroyable. Putain. Dire que c'est un humain qui a réalisé ça. Parfois, on se dit que l'intelligence artificielle progresse. Non, non, c'est un humain, les gars. C'est un humain qui l'a fait de ses propres mains. Hop. Et derrière, je travaille un peu les côtés. Boum. Ah ouais, le souci du détail. Clac. C'est ça qui font que les gens reviennent. Allez, ça ira très bien. Je suis devenu paysagiste, là, l'espace de 5 minutes. Pas si moche, hein. Pas si moche, pas si moche. Là, j'ai mon petit truc. Lui, il est à 100%. J'en suis où, niveau environnement? Je suis à 20. Bah gros, on voit le défi, là. Votre récompense vous attend. 1000 balles, 1100 balles. Mais en fait, j'avais gagné tous les défis. Défi terminé, mais c'est bon en fait, je suis genre au top là. On est au top, on est au top. Alors, du coup, je pense qu'on fait un... on fait une attraction derrière. En vrai là, t'es pas mal. Tu vois, t'arrives, tu vois ça. Tu sais, il faudrait un grand truc dans le fond. Il faudrait un truc qui fasse peur. Un truc mouse, une montagne russe. Plusieurs boutiques sont prises d'assaut. Arrêtez, arrêtez les gars, je sais qu'il est bien le parc, mais quand même. Ah, c'est bondé depuis que c'est à 100%. Pas question de faire la queue aussi longtemps. Bah tiens, frérot, c'est 8,50$ maintenant si tu veux pas faire la queue. Ici ça donne quoi? C'est full bénéf. Ici c'est à l'équilibre, la boutique de souvenirs. Là, le petit hot dog, on est encore confiant, mais on hésite. Hein. 232, boutique service, est-ce qu'on a des recherches? Les recherches sont pas encore terminées, c'est du 50%. Il va nous falloir des passes rapides. Là, il nous faut une grosse montagne russe où on va lancer le premier truc de passe rapide. Parce que là, c'est blindé, mais il va nous falloir du fast-pass à terme. Il va nous falloir du fast-pass. Là, ça fait du bon bénéf. Hein. On a 6000 balles. Il nous faut une attraction. Parce que c'est vrai que j'ai encore... Il nous faut une montagne russe. Qu'est-ce qu'on a en montagne russe? Parce qu'il nous faut... Mais c'est cher. Hein. Message in a bottle. Voir dans le stream. Acheter le contenu qui vous manque. Bah non. Oh putain, il faut tous les DLC. Ils m'ont répondu? Pas de réponse. Oh putain, c'est dur. Fais plein d'attractions. Charge bébé, merci. Bienvenue à toi pour le... Bienvenue à toi pour le Prime, je voulais dire, mais merci surtout pour le Prime. Rotation élevée. Non, il nous faut... Bah ouais, on peut pas se désabonner de l'objet. Ah, lui, je pourrais le mettre. Mais Railgunner, c'est pas... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un truc qui fait peur? Un truc... Ça, c'est quoi? C'est pas fou, quoi. Oh, ça, ça claque. Oh, frère, t'as ça dans ton parc, là. Oh là là. Je te fous ça en fond, là. Genre... Ici... Oh, ça claque. Hein. C'est vrai qu'il y a une machine à peluche à mettre dans le parc. Bien vu, ça. Ça, c'est très bien vu. C'est en souvenir, c'est en jeu. Parce que quoi qu'il arrive, on n'a pas le bif. Donc, c'est petites attractions. Personnalisé. Petites attractions. Ah bah. Ah, c'est bon. Machine à pince. Une petite machine à pince, là. Mais il y a tout qui est centralisé. J'ai trop centralisé, je pense. Ici, une petite machine à pince. En fait, faut faire venir des gens, là. Faut faire venir des gens dans cet espace aussi. Il n'y a pas assez de gens qui viennent. Il n'y a que les gens qui sortent de là. Et là, on s'est un peu bloqué. C'est vrai que c'était un peu dégueulasse, là, ce que j'ai fait. Mais ça servira aux employés. Ça servira aux employés, je pense. Là, en vrai, on est pas mal. Vous pensez, il nous manque quoi? Une attraction là-bas, hein. Il faut agrandir, aérer. Ouais, ouais, c'est notre vrai souci, hein.
Ça, j'ai fait ça là, mais il faut une allée, quoi. Il faut une allée Stokos. Heureusement, là, j'ai fait un vrai beau passage. Élargis les files d'attente. Il faut tout élargir, je pense. Hein. Heureusement qu'eux, ils ont ça juste à côté. Hein. Sinon, j'ai pas de nouveau défi, là. J'ai fini le jeu. Attendre un bénéfice de 500$ avec les montagnes russes. Oh, mec, il nous faut une montagne russe. Hein. Je peux changer le nom? Je peux écrire autre chose? Limitrophe, bienvenue. Ah non, je peux pas écrire autre chose. Vous m'avez dit ça, mais... Non, on peut pas. Mais plus dans module d'environnement. Mais là, on est à 100%. Cette attraction, 100%, magnifique. Cette attraction, là, 69%, c'est pas mal. 77%, 52%. Il faut qu'on bosse un peu d'environnement ici. On se fait juste ça. Déjà qu'on soit sûr de nos attractions, parce que c'est aussi ça, c'est un travail de fond. Nous, on pense tout de suite, je sais que vous pensez à plus fort, vous pensez à plus gros, vous voulez plus de gens. Mais il nous faut du petit buisson. Et de la petite algue, tu vois. Si je colle de l'algue, là, ici. Ah, c'est bien moche, hein. Ouais, là, je l'ai senti. Je la tenterai pas. Des roses grimpantes, là. Mais un thème pirate ou haut, pas des fleurs, par pitié. Mais ça marche l'environnement si tu mets autre chose que... Parce que pour moi, si tu mets un pirate... Je vous rappelle au passage qu'on a quand même le duc ici, là, qui est bien. Mais si je mets un truc genre autre que de la nature, ça va quand même marcher. Ici, je pourrais peut-être mettre un petit jet d'eau. Un petit jet d'eau de chaque côté. Bah oui. Ah, ça compte. Petit jet d'eau de fontaine. Ça, c'est bien dégueu, ça, on en avait déjà parlé. Ça aussi, celui-là, il est bien dégueu. Bien dégueu. Non, c'est tous les liens qui se retrouvent dans l'onglet environnement. Ok, d'accord. Bien dégueu. Bien dégueu. C'est lequel que j'avais utilisé déjà? Ah ouais, et eux, c'est genre maxi... Ouh, eux, c'est too much, quoi. Spectacle de... Spectable. Petite trombe. Non, les jets d'eau, ça me chauffe pas. Feu d'artifice, on a déjà fait. Créateur de séquence. De la merde. Décor. Oh non, l'enfer, putain. Oh, la foire fouille, quoi. Caméra, forme artistique. Ah, mais ça, c'est chaud de faire un truc stylé, hein. Vous voulez que je fasse une arche? Faites deux rangées d'eau, mets des animateurs. C'est vrai que je pourrais mettre un peu d'animateurs aussi. Attends, je regarde ce qu'il y a, parce que j'avoue que je connais pas trop non plus. Là, on peut faire grave un truc, j'avoue, pirate. Vous aviez raison, là, dans ce que vous me disiez. Éclairage, c'est vrai que j'ai pas d'éclairage. Oh, je vais faire un... C'est vrai que c'est un peu sombre. Là, c'est un peu sombre. Petit éclairage. Oh, le cierge magique, non, on le tente pas. Oh si, le cierge magique ici. Oh, le cierge magique. Mais pourquoi il... Oh, le sublime, le cierge magique. Un jet d'eau dans le lac. Ouais, mais c'est pas très beau. Ah, mais la nuit passe si vite. Nickel. C'est trop bien, c'est des enfants. 1600$ encore. Putain, on a 7000 balles. Là, on a 7000 balles. Un peu plus d'attraction. Attendez, il faut juste dire... Ah, ça, c'est chum, ça. Eh, filet de... Mais c'est super moche, ça. On dirait des couilles. Filet de flotteur lumineux. Ah, nouveau défi. Créer un feu d'artifice qui retient l'attention de 100 visiteurs. Pendant 30 secondes. Je sais pas si je peux faire ça. Torche crâne. C'est très moche. C'est très très moche. Hein. C'est très 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 moche. Hein. Là, j'ai l'impression d'être bloqué là. Je suis dans l'éclairage, c'est pour ça. Parce que je cherchais pas ça. De base, je cherchais pas des éclairages, moi. Moi, je cherchais des pirates. Qu'est-ce qu'ils font les pirates là un peu? Un canon? Bien sûr. Un coup de canon ici. Ici, un petit canon. C'est horrible. Mettre ton bateau échoué. J'avoue, un bateau échoué, mais là, vous avez des idées, là. Ah, là, quand vous me parlez comme ça, là. Ah, mais ça fait beaucoup de... Là, on commence à être en surpopulation de pierres, là.
Je vois l'idée que je veux faire, mais il y a juste trop de pierres là en fait. La zone est pas assez grande. Agrandis l'eau. Ouais, sinon j'agrandis. Hein. On se rajoute de l'eau? Oh putain, on est parti encore dans un truc là. Allez, on est parti en forage, les gars! Eh, ça creuse, ça creuse! On va se mettre un petit cercle un peu plus gros. Eh, ça creuse, 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 ça creuse. Magnifique, magnifique! Voilà, là, il y a de la belle eau. Là, je peux te dire que. Ils sont contents, eux? Ouais, ils sont très contents. Tout le monde est content. Hein. Tout le monde est ravi, j'ai l'impression. Juste du fast-pass. Du fast-pass et on serait genre. Alors, le canon, là, il est en suspens. Mais c'est normal. Parce qu'il va se mettre là. Pendant que l'attaque du Kraken. Boum. Oh la vache. Oh, ça, c'est pour un. Ça, c'est pour un futur truc ici. C'est pour un futur truc avec la cascade. Mais c'est juste un peu moche, en fait, ça. Hein. Honnêtement. Vous trouvez ça beau, vous? Moi, je trouve ça juste un peu moche. Comme ça? Je pense qu'on en a fait. On en a tiré le max, hein, je pense. Et tu vois, limite, je peux mettre un... Je peux difficilement en tirer plus, hein. C'est RP. C'est vrai qu'on est sur du RP. Team Gat, bienvenue. Avec le canon. Ouais, le canon. Ouais, on voit que c'est du faux, là. C'est nul. Alors, soyez pas des enfants gâtés non plus, hein. C'est pas si mal. En vrai, c'est pas. Il y a une ambiance. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance. Je suis d'accord qu'il faut créer des ambiances genre similaires. Mais dans ce cas, une petite tête de mort. Parce que là, on en est où de l'environnement là sur le parc? 61%, frère, j'ai l'impression de me donner quand même. Je fais des efforts, quoi. Feu d'artifice crescendo. Attends, si je fais ça là. Oh la vache, ça a l'air beau ça. Hein. Séquence pour soleil. 2$ le tir de canon. Ah ouais? Coût mensuel, non, c'est coût mensuel, gros. Coût mensuel. 2$ par mois, ça va. Henrik Dahl. Bienvenue, mon ami. Ça, c'est une foire. Nid de dragon endormi, ovni. Pot en terre cuite. Port de pirate. Planète Far West. Bon, c'est un peu too much, ça, peut-être. Petite scène de pirate. Ah, oh, bah, c'est exact. Bah, putain. Ah, bon, on est con, c'est. Mais. C'est mon truc. C'est mon truc en mieux. Ici? Je fous ça là? Et je vire l'autre canon? À gauche de la file. Ah oui, 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 une ambiance. Oui, oui, clairement, clairement, je vois l'ambiance. Mais là, je leur tire dessus, du coup. Mais clairement, une ambiance. C'est vrai qu'on avait déjà la petite... Boum. Oh là là, je rajoute. Je rajoute. Je rajoute. Oh là là, c'est beau. C'est pas superflu, tu vois. C'est vraiment... Là, on est à combien là? On est à 100% d'environnement, là, je pense. 70%. Il nous en faut encore plus, hein. Plus d'environnement. Genre, retire le bateau. Voilà, du coup, trop de canons. Non, je retire le canon, par contre. Et t'en fais pas, j'ai une autre idée, là. Et je sais pas si mon idée va être acceptée. Escarmouche. Oh, il y a de l'escarmouche, là. Ensemble de parc. Ça fait un peu trop... Je vois où le mettre, ça, après. Je vois où le mettre. J'ai des idées. Les idées fusent. Là, c'est un peu le coin pirate, mais c'est pas du tout un truc pirate, quoi. En vrai. Attaque de train. Putain, ça, c'est du DLC, ça. Épée plantée dans son rocher. Voilà, ça, on commence à forcer avec les cailloux, là. Étale de fleurs. Et là, au milieu, une petite étale de fleurs. Du sable. Ah, vous pensez on met full sable ici? Pas con. Mais vous êtes pas con, vous, parfois. Partout, vous pensez? Ah, ici, vous parlez peut-être ici. Là, comme ça? Merci, non. Ah bon? Bah, c'est... Moi, je me dis que c'est quand même l'environnement, quoi, non? Partout.
mais j'aime bien l'herbe, moi. C'est bien, hein. Faut bien faire le distinguo entre les deux attractions. C'est chum, là. On est tombé dans ces trous, là. Haut sous l'attraction. Là, je pense que c'est trop, là. Là, on en a trop fait, là. On aimait bien l'herbe, ici. Voilà, là, c'est bien, là. Là, je pense que c'est pas mal, là. C'est un bon mix. On sent qu'il y a une zone urbaine, tu vois. Il y a une zone où, vraiment, on est mis dans un truc, quoi. Là, on est mis dans un truc, on est bien. Là, c'est bien. Qu'est-ce qu'il me dit, Dwag? Oh là là. Mais Dodge. C'est ça, un ami. C'est donc ça, personnalisé. Ah, donc là, on a re dans les trucs de... Et c'est où les petits pirates, là, vous pensez? Statue et pièce maîtresse. Arrivée d'autres fontaines. Ça, c'est des bases de fontaines. Coffre au trésor doré, 10 000 balles. Oh, les gars. Ça le fait pas du tout. Pas fou, ça, hein. Là, les propositions étaient... m'ont pas spécialement plu, là. Un peu de palmier. C'est un vrai coffre. Du palmier? Ah ouais, du palmier, c'est vrai que du palmier. Mais attendez, parce que nous ici, on replante tout. Faut savoir qu'on est vraiment éco-responsable. Tout ce qui est défriché est replanté ailleurs. Boum. Allez hop, magnifique. Je sais pas quoi en foutre. Et là, je vous fous du Palmax. Du bon Palmax, ils sont où? Personnalisé, c'est bien environnement. De la nature. Et de l'arbros. Et là, je peux vous dire... Du bananier? Il n'y a pas palmier? Il y a du palmier. Oh, alors là, je vais vous mettre du palmier, mais dans tous les sens. Alors là, celui-là, avouez que... Ah non, ils se le prennent dans la gueule, je crois. Non, ils se le prennent dans... Est-ce qu'ils se le prennent dans la gueule, là, eux? Ils se le prennent pas dans la gueule. Et ils peuvent limite agripper. Tu vois, quand tu t'ennuies, tu peux aller chercher. Ça, c'est beau. Un pigeon, regarde, le pigeon, il se sent bien. Il est mort. Je crois qu'il était sur le dos. Du petit palmier. Ah, ça fait trop, là. Ça va vite faire trop. Ça va vite faire trop, on le sent. Du petit palmier. Pas mal, le petit palmier. Le petit palmier qui contraste. Et je l'enfonce. Je l'enfonce. Ici? Non. Je le soulève. Je le mets là. Et c'est l'autre que je mets derrière. Quelle vision, quel artiste. Boum. Boum, là je le déplace ici, magnifique, magnifique, regarde un peu ça, là on est à Coconut Land, là. Beaucoup trop. Non mais c'est lui que je vais enlever, lui est en trop, les autres étaient bien. Lui je sais pas où le foutre, hein. Si c'est bien. En fait, le palmier, c'est que c'est pas non plus... Non, le pencher était bien. Vous aimez pas ces deux petites merdes, là? Moi, je les aime bien. Ah, ça cache un peu. C'est vrai que ça fait un peu... Ouais, je peux comprendre. Ah, je vois qu'on a peu de gens qui ont fait de l'histoire de l'art, ici. Pas grave, je dois m'habituer à m'adapter à mon public. C'est chum, là. Ah, quoique. Quoique, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais en plein style forêt. Bah, le truc, c'est que j'ai peur que trop de palmiers, ça fasse un peu moche. Parce que... Oh là là, dire qu'avec les DLC, je pourrais être en palmier Alexandre 3. Haut sous l'attraction, père. Le petit est trop collé. Pas nous faire chier, le petit. Hein. Le petit, il est bien. Petit est bien où il est. On en est où 62. Les gars, il y a un moment où, vas-y, c'est bon, quoi. Genre, bah, je vais te foutre du Palmax aussi dedans, hein, si c'est ça ce que tu veux, vas-y. Hein, moi, c'est bon, je vais... Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Du palmito, là. Je vois que ça veut que ça, ici. Boum. Le pire palmier. Sauf que, on se dit que c'est le pire. Sauf que, double. Clac. Hop. Bam. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Non, c'est moche, là. Eau sous l'attraction. Non, j'ai pas envie de mettre de l'eau, il y a déjà trop d'eau. De l'eau sous l'attraction avec des jets d'eau.
Ah, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Non, ça c'était moche, ça. Là, je suis désolé, j'ai craqué. Par contre, et oui, les deux palmiers de l'entrée. Ils sont pas du tout à la même taille, ils sont pas du tout au même endroit. Mais ils apportent quelque chose. Ça fait un peu du père, quoi. Je crois que je suis pas à l'aise avec les palmiers. C'est pas une matière que j'ai l'habitude de traiter, le palmier. C'est pas... Je crois que j'ai trop de pression et ma créativité se bloque. Je vais refaire comme je l'entends. Je vais prendre vos conseils, mais là, je suis guidé, là. Alors que là, si j'imagine quelque chose, 1500 balles encore, boum. Là, ça tombe. Y a pas de défi, là? Pas de sous? Non, pas de sous. On va bientôt avoir les sous pour acheter une nouvelle attraction. Ouais, c'est bon, c'est décidé, là. Moi, je me la fais à ma sauce. Celui-là, j'ai trop du mal à le gérer, lui. J'ai trop de mal à faire un truc beau. Twitter. Qu'est-ce qui se passait sur Twitter? Je suis en no réponse en DM. Les gars, je suis en no réponse en DM. C'est pas si mal comme ça, c'est bien. J'ai un DM, mais c'est pas lui, c'est Blitzstream pour jouer aux échecs ensemble, pour tout vous dire. Planet Coaster a tweeté. C'est-à-dire. Domingo is building a theme park. Head over and check out his stream. Gros ! Envoie le DLC ! Vas-y, c'est bon, là, j'agresse. Et on va full DLC. He's building a theme park. Ah bah là, je peux te dire qu'on va se taper, les gars, sur Twitch. Soyez forts, on va avoir une grosse commu. On va avoir une commu d'architectes d'intérieur à tenir, là. Non, mais... Yes. Enormous. Check your DM, please. Hop. Allez, on continue, du coup. Bon, là, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Juste, il nous faut des petites plantasses, là. De nombreux visiteurs ont soif. Il me faut de la... Ouais. Il nous faut de la boisson, là. De la boisson. Ça marche, mais plus ou moins, quand même. Hein. Après, ça, c'est... On gagne quoi, là? On gagne un impact crétin, là, c'est ça? Pas convaincu, là, hein, mais bon. Bon, alors, attendez, de la boisson. C'est le Enormous qui est lâché. Quand le Enormous est lâché, généralement, ça va très très vite derrière. Eh, mais on a des nouveaux trucs, là. Le Chikiki. Et le Giuseppe. Parfait. Eh ben, écoute, je te fous un Goulpi. Oh, il y a un Goulpix granité. Distributeur de Goulpix. Oh, nom de Dieu. Ah mais je peux pas faire en sorte que ça soit genre l'endroit des distributeurs, tu sais. Ça serait bien parce que là on est un peu bloqué. Stop entassé. Ouais mais du coup je mets ça où? Ici? Ici en vrai. Il court carrément pour l'attraction. Un petit Goulpix ici? Allez. Pas si mal. Personne s'assied là en fait hein. Comme l'impression que c'est de la merde, j'ai voulu leur faire faire une grande allée principale. Non mais si je me lance dans une grande allée principale, eh par contre, depuis qu'il y a des trucs, un vol a été signalé. C'est bon, j'en ai ras le cul des vols là. J'embauche l'agent de sécu. Et vous savez quoi? Je vais. Maintenant qu'on gagne un peu de sous, le petit capitaine. Capitaine Tétanos là. Capitaine Tétanos juste devant le truc de pirate. Pas mal ça. Fais une avenue. Non mais juste, est-ce que je vais devoir, là, si on est d'accord que si je refais ça, c'est un cauchemar. Je vais devoir tout refaire. Mais c'est vrai que là, on voit difficilement... Il a quoi lui sur la tête là? On est à la Comic-Con ou quoi là? Ah, c'est le genre de gens qui viennent dans mon parc. Voilà, traquer elle. Elle va peut-être commettre un vol elle. Elle est où là? Où est-ce qu'elle est? On l'a perdue? Comme l'impression qu'on l'a perdu. Elle est là, dis donc.
Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle a des sous à mettre? 15 dollars. Ouais. Elle a déjà mis 56 balles. Hein. Elle a mis 56 balles. Et elle se refait une attraction et elle est solo. Oh, je l'aime bien. Adolescent. Elle a passé 50 minutes. Elle a un casque futuriste. Oh, il me faut un truc à boire. Mais va à Gulpix là-bas. Et Gulpix est déjà en full rentabilité. Pff, nouvelle attraction. Bonne jus, merci. Bon. C'est vrai qu'une grosse allée, ce serait bien. Refais l'allée, t'en as pas pour longtemps. Vous pensez? Parce que je suis un galérien avec ça. Parce qu'il me faut de l'allée, genre méga large, quoi. 10 mètres de large. Oh, si je fais une allée. Comme ça, énorme. Je veux faire ça. On se lance dans le projet de l'allée. Il nous faut une vraie belle allée. Sinon, on va être limité et on ne pourra jamais aller plus haut. Ça va nous bloquer un moment ou un autre. Tu vois? Et comme ça, ensuite, on refera les files d'attente, on va faire des fast-pass et tout. Putain. Dire que ce projet a commencé juste comme ça, juste sur un petit pas blande. Allez, on y va. Sortez les râteaux. Bon alors, comment je dois tout déplacer? Sage décision. Parce que vous pensez que je fais quoi? Je fais une allée genre mouse, tout droit? Tu vois ou pas? Et tu contournes ton feu d'artifice. Et là, je vais travailler ici, vraiment. Oh mais là, ça bosse, hein. Ça bosse, hein, honnêtement. 1000 balles. Ça, ce truc, c'est 400 balles de bénéf. Ouais, c'est ça. Genre Disney. Genre, boum. Mais du coup... Oh putain, je supprime l'allée. Mais ça veut dire que tous les mecs vont tège. Oh putain. Tu vois, ils s'en vont. Ils meurent. Je rajoute ou... Oh non, on élargit? On peut élargir? Comment on élargit? Je peux pas sélectionner. Ferme ton parc avant. Ah, on peut fermer le parc? Ah non, mais là, on va tout perdre. Ferme le parc. Je ferme le parc, on refait tout et on réouvre. Ouais, mais on est en plein mois d'août. Habille tes bâtiments, c'est horrible. Oh, c'est des cajots, quoi. Comment je ferme le parc? Je sais pas faire. Gestion de la sécurité. Ah, il y a eu 27 pickpockets. Hein. Effets spéciaux. 5 animations. Attends quelques mois, je pense que... Ah, c'est là pour... J'ai peur que fermer le parc, ça soit une erreur, les gars. Parce qu'au pire, ils viendront pas. Il nous faut quand même un peu de sous, parce qu'on coûte combien? C'est quoi le coût de... Oh, ça va. En vrai. En vrai, ça va. Fais-le, mais dans un mois, il n'y a pas trop de monde. Parce que là, les allées, les gars, j'ai pas l'impression que je peux les... Sélectionner la grille. Ah non, c'est peut-être justement faux. Non? Si tu fais toute la révention pendant la pause, ça passe pas. C'est pas con, Zoulou. C'est pas con. On va le faire, mais du coup, je suis obligé de tout détruire. On va le faire maintenant. On prend des risques parce qu'on veut pouvoir réouvrir en septembre. Le con. Le mongol. Mais du coup, je suis obligé de... Tu as deux onglets dans les allées, faut que tu checkes dedans. Ah oui, parce que vous voyez pas, ouais, c'est... Mode d'affichage, petite grille. Ah bah non, je suis juste en grosse grille ou en petite grille. Go faire différents quartiers. Oh putain, non, mais vous rendez pas compte, hein. Vous rendez pas compte que je suis pas non plus... Ça va peut-être être très décevant pour vous, hein, ce que je vais proposer, là. Parce qu'il faut que je redémarre d'ici, mais putain, mais quel enfer. Allez, on y va. Je ferme le parc. Le parc est fermé. Vous sortez tous. Tout le monde sort. Vous pouvez plus sortir. Attends. C'est bon. Je vous remets l'allée. Allez, on sort. Ils veulent pas sortir. Mais où, là? Bon. Ok, le parc est ouvert. Le parc est ouvert. Revenez. On remet pause. Le parc est ouvert. Finalement, le parc est ouvert. On a décidé de changer. La direction a finalement changé de décision. Alors, nous, on fait nos petits trucs comme ça. Boum, boum. Enfin, j'aimais bien, j'avais fait une grosse place, là.
Oh, je refais tout, mais c'est beaucoup de... C'est beaucoup d'émotions, déjà. Faut tout refaire. En vrai, faut tout refaire. Sauvegarde. Vous pensez que je dois sauvegarder? Putain. J'ai 6000 à regarder ça. T'es très près de la caméra, quand même. C'est-à-dire... Genre moi, là? On save... Oh putain, je suis en full panique. On save. Oh, pfff. Oh, il y a du... Est-ce qu'ils m'ont répondu au passage? Ils m'ont pas répondu, non, on a foutu. L'erreur. Voilà. Bon, on a sauvegardé. Au cas où, si jamais, ça part en couille. Donc là. Ah, mais faut que je bouge tout, mec. Faut que je... Il me faut de la place, il me faut de la place. Poussez-vous, il me faut un peu de place. Toi. Non, mais dégage. Juste casse-toi, en fait. Me force pas à... DM, DM, DM. Hello. Thank you for messaging us. Which DLC are you after? I'm not gonna lie. Planet Coaster. I am after all the DLCs. bon, alors. du coup, ah ouais, non, là, je pars en... Je peux te dire que je veux du full DLC, mon frérot. Là, là, je suis en train de refaire tous les bancs de mon truc. Allez, dégagez-vous. Oh. Oh, le... Tout est vide. Oh, putain. Allez. C'est maintenant. C'est maintenant, c'est ma... Non, allez. Je... Pourquoi j'ai pas... Ah voilà, parfait. Largeur 10 mètres. Bah, c'est pas 10 mètres, là. Bah, on me ment, là. Faut que je t'aige tous. Je t'ai pris pour Thanos ou quoi? De temps en temps, ça passe, mec. De temps en temps, ça passe! Sure thing. Bah oh c'est... Faut tenter des trucs, hein. Si tu tentes pas... il a paniqué aussi, lui. Il s'est dit, putain, waouh, il a des grosses couilles, mec, en face et tout. Il a dû se dire, qu'est-ce que je lui dis? Faut que je... Il va me balancer du code, là? Non, il va pas me balancer du code. Je pense pas. Je pense pas. Pourquoi tu parles à Planet Coaster sur Twitter? Bah, on a nos entrées, quoi. On a nos... Non, parce que regardez un peu tout ce qu'on... En fait, regardez typiquement. Genre, je vous montre ici. Ça, on peut, et tout ce qui est jaune, là, tout ça, c'est des DLC. Donc, ici, c'est du DLC... Il n'y a pas tant que ça, là. Mais il y a des moments où t'as que ça. Tu vois, là, par exemple, t'as une attraction sur deux, c'est un DLC. Genre, là, des trucs... Là, tous les palmiers. Nous qui sommes fans de palmiers. 3 palmiers sur 4 est un DLC. You see, you are currently streaming. We are not going to send you code. Ah, we are now going to send you code. Not sure if you will want to that on the screen. So you... Mais c'est les meilleurs. Regardez un peu comme ils sont gentils. Regardez un peu. Ils me warn. Mais... Guys... You simply are the best. I'm hiding from the pleb. No worries, you can send. Thank you very much. Non, faut cacher. Oh les boss. Bon, alors ça, je déplace tout. Faut que je déplace tout un par un. J'ai limite envie de tège. La petite poube ici. Parce que ça va être chiant, quoi. Si je dois tout déplacer... Je tège, non? Tiens, un petit banc, là. Hop. We are watching the stream and are enjoying it. You have a great chat. Oh là là, il vous sauce. Ah, ils savent vous parler, vous. Hein. Vous, on tège, on est d'accord. Ah, mais ça va nous coûter cher, ça. Ça, en vrai, ça, faut que je le déplace, quand même. C'est chiant quand même à faire, hein. Pas se mentir. J'espère que ça sera pas moche, hein. Tout ce que je vous dis, c'est que j'espère vraiment que ça va pas être moche. Oh, ça va être moche. Je le sais.
Là, j'ai une grosse intuition, là. Là, je suis en giga intuition de ça va être dégueulasse. Souvent, l'intuition n'est pas mauvaise. Oh, Planet Coaster. Ah oui, soyez gentils avec eux. Oh, il y a du full code. Attendez, attendez. Oh, c'est magnifique. Ah, oh, il y a du full code, là. Là, je peux vous dire que j'ai du codos. Eh, hey, je vais tenter un truc. Je vais tenter... Attendez. Go restart. Bah non, on va pas tout restart, mec. Attends, c'est 5 années de travail, déjà, ce parc, là. Non, non, je déplace, je déplace. I'm moving. Boom. Amazing, guys. Un truc, ça va peut-être passer. Supprime tout et restart et replace après. Restart, mais j'ai pas tout, j'ai pas restart les gars. Restart avec les DLC. Non, non, je vais relancer le jeu. Je vais relancer le jeu une fois que j'aurai les DLC, j'ai pas encore les DLC. Attendez. Il a pas fini de m'envoyer les DLC que j'étais déjà en train de gratter pour plus. attends. Il y a tellement de DLC, gros. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do you think I can push it a bit further and ask for one or two keys from my viewers? Oh, mais il continue à m'envoyer du pack, putain. Je sais même pas, il y a du spooky pack, il y a de l'aventure pack. Oh, il y a du pack. Je peux pas faire... Pourquoi je peux pas faire une grosse allée? Peut-être parce qu'il y a tout ça, là. Pourquoi je peux pas faire une grosse allée? Expliquez-moi. Là, il veut bien faire une grosse allée, mais là, il veut... C'est en cours. Attends, il y a... Oh, putain. Élargir l'entrée. Ah, faut élargir l'entrée aussi. Ah, ça aussi, ça peut s'élargir. Ah non, je peux pas. Je peux pas pour l'entrée. Et fais ça propre. Non, après, je fais une avenue big. C'est grave moche, supprime l'allée. Bah merde. Je peux pas supprimer ça. Peut-être ça, là. Oh putain. Vas-y, me saoule, là. Oh mais quelle bande de boss quoi. Non mais là on est clairement en erreur là. Là on est en train de faire n'imp là. Faut d'abord faire une autre entrée. Là je pense qu'on est en erreur de ouf là. Là je crois que je me suis trop chauffé et on va entrer dans quelque chose qui est impossible. Pour moi en tout cas. Je suis en capacité limitée. Hein. Restart. C'est quoi restart? Stop. C'est quoi restart? Restart c'est quoi? Genre je relance le jeu. Je repars. Restart ton parc. Je recommence mon parc. C'est beaucoup quand même, on a passé toute une soirée dessus. Oh non, j'ai pas envie de restart mon parc, moi, je l'aime bien. Non, non, je veux pas restart mon parc. Ça m'a pris 4 heures hein, déjà. Non. Attendez, oh. Regardez, là, c'est magnifique. Regardez, on va pouvoir y arriver. Ah oui, ça marche bien, regardez. Oh la vache. Oh, un guichet. C'est où? Entrée. Le guichet. Oui, oh, le guichet. Sublime. Le guichet, on peut pas l'élargir aussi? Le guichet est obligé d'être tout petit. Oh putain. Faudra faire un grand vide, t'inquiète, on va tout faire. Mais au moins les DLC, non mais je vais en mettre. Ah, je peux en mettre plusieurs des guichets. Mais le souci, c'est que du coup, ça démarre quoi.
Tu vois ce que je veux dire? Genre... comment je peux... Tu vois, la route, là, elle est faite, quoi. Ça fait un truc un peu bizarre, non? Oh, je sens qu'on s'est lancé dans un truc qui est beaucoup trop grand pour moi. Je sens vraiment que c'est un truc beaucoup trop gros pour moi. C'est pas les bons. Hey, c'est vraiment les gros boss, hein. Ils m'ont filé... Attendez, déjà, on va réfléchir. On va réfléchir. Je re-sauvegarde. Je re-sauvegarde, attendez. C'est foutu. Hop, ça la save, c'est foutu. Attendez, 2 secondes. Je vais juste ajouter les codes de DLC.